C'est Madame Gina qui est là pour vous proposer la deuxième citation. Madame Gina, tarot, voyance, mare de café. Troisième étage, amenez votre serviette et votre demi-savonnette. Madame Gina. Troisième gauche. On est prié de tirer la chasse avant de rentrer. Madame Gina, tarot, voyance, canapé, accessoire. Madame Gina. Oh, j'adore ça. Oh, écoute, c'est fini. On est là pour faire un peu de culture, pour transmettre une partie. On fait la culture 13 hectares à l'hectare. Une partie. 13 hectares à l'hectare. Monsieur Martin, vous êtes là pour transmettre une partie du savoir que vos parents vous ont permis d'acquérir. J'ai pas eu de problème, tu sais. J'ai été élevé par le Secours National, moi. Je dois tout à Philippe Pétain, et ça, je le mets. Il y avait le Secours National, sinon les parents n'étaient pas là. Merci, maréchal. Maréchal, me voilà. Car tu m'as apporté l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà. Une flamme sacrée monte du sol natal. Ce qu'on a appris à l'école et qu'on n'a pas envie de la chanter, mettez les mains devant vos bouches et avec moi. Et la France enivrée. Maréchal, alors, on n'était pas nés en 43. On n'allait pas à l'école en 43. On n'était pas à Lyon quand il est passé à l'hôtel de ville. Maréchal, nous voilà. Madame Gina attend dans le... Madame Gina, c'est son métier d'attendre. Vu l'âge qu'elle a, elle peut attendre. Hein. Qui a dit ? Madame Gina, d'abord, qui c'est qui la protège ? Est-ce que ce serait pas Monsieur Fifi, François ? Tu le connais, Fifi Légou ? Ouais. Le spécialiste des dames des Halles. Ouais. Monsieur Fifi, il descend avec son petit costard trois pièces, sa cravate jaune, son costard et tout. Il va ramasser les compteurs. Morissette, file-moi le blé. Cause pas, vide ton sac. Hop, ok. Allez, tourne le dos que je te claque le travail. Et il est terrible, hein. Écoute-moi, poulette. Si t'en fais pas plus que 12 demain, je te file comme journaliste au Monde. La punition terrible. Non, pas ça! Monsieur Fifi, ça, c'est un mec qui s'est parlé au conseil. Oh là là! Quand il passe avec sa moissonneuse-batteuse rue Saint-Denis pour moissonner les créatures. Ah, faut voir. Ça, c'est un vrai métier pour les jeunes filles. C'est mieux que les PTT. On se tâche les doigts, mais ça rapporte plus. Hein? Alors, Madame Gina, qui présente Gina. Les excuses de la station. Où c'est qu'elle habite, Mme Gina? Ouais. Où qu'elle est? Dans quelle ville? Où qu'elle donne son plaisir? Elle est à Paris, rue de Provence. Voilà!